السلام عليكم، مرحبا بكم في اوتر فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي روش ميتامورفيك، دونك الصخور المتحوله. دونك هاد لي روش ميتامورفيك عندنا دو تيري، لوريجين دي روش بريكزيستون. دونك هاد لي روش ميتامورفيك الاصل ديالها من الصخور المتواجده، سواء لي روش اينيي ولا او ريبتوي، سواء لي روش سيدمونتير، دونك سواء من الصخور الام سواء من الصخور الرسوبيه. دونك وحده في هاد لي دو روش كان الاصل ديالها باش عاد تحولات لنا. Donc, deuxième tiret, la transformation de phénomènes internes. Donc, tahoulat dial dawa'ir dakhiliya li waqa'atna. Soit la forte pression d'alte, mta'ba bzaf. Donc, soit la température élevée, soit darj al-harara mta'ba bzaf. Donc, deux facteurs qui influencent les roches métamorphiques. Jouj fad al-hawaij, jouj fad al-awamin, li khlawat as-sukhur ou les sukhur mta'hawila. Kan l'asl diala, soit roche innée ou réduvée. Soit qu'un roche sédimentaire, après avoir deux facteurs, forte pression et la température élevée, maintenant les roches métamorphiques. Alors, à l'exemple, il y a un NNA, donc aussi, il y a quatre types de roches métamorphiques, à ce qu'il y a donc, des canons ou qui ont l'âme. Donc, le granit, qui ont l'âme, gneiss. Donc, sahra, plutôt, le granit, une roche ignée. Après avoir que ça a fait deux facteurs, la forte pression et la température élevée, qui est une gneiss. Donc, le calcaire, le quartz, qui est une marbre, al-khan. Et l'argile, taïn, qui est une ardoise. Et finalement, le grès, le hajar, qui est une quartzite, donc le marron. Alors, le granit, qui est une gneiss, donc l'asle d'origine dialogue, roche inil. Roche inil, ou réutilisé, bhabhab. Donc, les trois types de le calcaire, l'argile ou le grès. L'origine de les roches sédimentaires. Donc, le socor ou le socor métamorphique. Mais le granit, c'est des roches innées, c'est des roches métamorphiques. Alors, cette vidéo, je vais vous les types de les roches métamorphiques. Donc, vidéo, j'ai inchallah les caractéristiques des granites. Inchallah, je vois les caractéristiques des matériaux de construction. شكرا لكم جيد، شكرا للمشاهدة، الله يعاونكم.